pour dresser des conclusions avec la vidéo d'aujourd'hui, pour redonner, s'il faut résumer la vidéo, nous oublions que un libre-échange qui est en soi, qui est à l'état huile ou graisse, permet de séparer deux surfaces en mouvement pour en réduire le frottement, faciliter les déplacements et améliorer le fonctionnement des machines aux résistances à l'usure. Ce qui nous amène logiquement à trois points. Les trois points qui sont les rôles des lubrifiants. Et c'est lui de réduire l'usure, absorber et évacuer les calories, réduire le frottement, assurer l'étanchéité et évacuer les impuretés. Et elle est constituée, la constitution d'un lubrifiant de base et de 10 à 30% d'additifs. Et ces additifs sont des éléments tels que dans une soupe qui permettent d'en améliorer la qualité. Une soupe, elle a besoin de sel, céleri, ail et poisson pour en déterminer la qualité. Pour un lubrifiant, c'est beaucoup plus ses qualités. Anti-usure, anti-corrosif, anti-oxydant et son point d'écoulement qui lui permet d'être compétitif. Et par rapport à son contrat, les amis, Serge Cassanda. Par rapport à... Oh, j'allais oublier. Que fait-on des déchets, des huiles? Eh bien, c'est simple. Les huiles usagées ou les lubrifiants usagés sont simplement incinérés en cimenterie ou dans les centres spécialisés. Attention, ne les jetez pas partout. Merci. À plus.